Salut les gens, c'est Wembe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Old Boy sur Nintendo Switch. C'est un jeu de plateforme narratif qui a été souvent primé. Alors je rattrape un peu mon retard parce que ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Ça fait un bout de temps que je voulais absolument le tester. Je l'avais acheté en version boîte, j'ai pas eu le temps avec toutes les sorties. Et donc aujourd'hui, eh bien on va le découvrir ensemble. Parce que vous avez été beaucoup encore une fois à me dire: oui, jouer à Old Boy, j'ai fait, je l'ai, j'ai juste pas eu le temps. Et donc eh bien... aujourd'hui, on va voir à quoi ressemble ce fameux Old Boy, vénéré, glorifié, sage. Voilà ce que nous, les chouettes, voulons être. Durant des siècles, nous avons travaillé dur pour gagner le respect que les gens ont pour nous. Ta bande son est cool, déjà. Oh, j'adore ces graphismes-là en plus. En cette heure où les temps deviennent de plus en plus durs, tu devras toi aussi, en tant que mon élève, porter le fardeau de ton espèce sur les épaules. Eh, la musique me fait un peu penser à... comment ça s'appelle? Alien et Prometheus. Portrait craché. D'accord. Ne sois pas si nerveux. C'est un grand moment pour toi. Et bien que tu sois né muet, tu deviendras sous ma tutelle l'un des piliers de notre communauté. Bien, je vois que nous avons du pain sur la planche. Ne sois pas inquiète, je t'emmène sur le droit chemin, d'accord? Très bien. Donc un jeu avec une vraie narration, tu vois. Je vais être honnête avec toi, Otus. Tes résultats scolaires récents laissent plus qu'à désirer. Ah merde. En y réfléchissant, il est possible que tes talents résident dans d'autres domaines. Bah j'espère bien. Au jeu nous a donc volé. Je parie que tu attendais ce moment avec impatience. Oui! Bien, écoute-moi attentivement, j'ai déjà le mec en train de sourire. Tout ce que tu dois faire, c'est sauter. Une fois en l'air, déploie tes ailes de toute ton envergure et bats des ailes. Cap chouette que je t'ai donné devrait faire le reste. Allez Otus, montre-moi ce que tu sais faire. À sauter. Bien, tu voles. Essaie de te déplacer un peu maintenant. Tu vois cette plateforme là-haut? Ouais. Vole jusqu'à elle et atterris sur cette île et je t'apprendrai les ficelles. Ah, je peux pas? Pourquoi je peux pas aller jusque là-haut? Zut! Ce mode est plutôt catastrophique. Je dois dire que je suis très déçu, la plupart des élèves réussissent instantanément. Demain, nous reprendrons les études classiques. Cela me fait trop de peine de voir voler ainsi. Eh ben, sympa! Ah merde! Le jeu terminé! Là, c'est fini! Vite, Otus! Les gens ont besoin de notre aide. La sécheresse n'est pas aussi tolérante que je le sais à propos de ta lenteur. Ah, sympa. Pourquoi tu laissais le pichet d'eau sur le sol? Ramasse-le immédiatement, dépêche-toi. C'est d'elle attrapée. Ok. Une minute. Tu as secoué le pichet dans tous les sens. Laisse-moi vérifier qu'il reste de l'eau dedans. Mais mec, mais ça va aller? Pose-le ici. Ah, faut que je... Attends, la ZL lâchée. Non, ZL lâchée. Ah, zut. Comment t'as porté de l'eau visuellement? En fait, je ne fais rien correctement. Je m'en souviendrai. Je te garantis que les autres apprendront ce que ton incompétence nous a coûté. Tu as compris? Les mots me manquent pour te dire à quel point tu m'as déçu, Otus. Mais sympa, laisse-moi, j'apporte l'eau à la vieille moi-même. Mais c'est horrible! Mais j'ai pas fait exprès, vas-y, je veux que faire bien, Otis, tu m'as déçu encore et encore. Mais ouais, mais... Aujourd'hui, pas de leçon. La violence? Tout ce que tu as à faire, c'est parler aux autres villageois. Facile, non? Même toi, tu peux y arriver. Oh, c'est dégueulasse, demande-leur ce qu'ils pensent de toi. Et de ton incompétence. Hey, mais il est violent le début du jeu! N'en viens pas tant que tu n'as pas appris ce que tu dois savoir. C'est ignoble! Regarde ça! Même l'écran nous fait nous sentir seuls. Parlez. La vérité à ton propos. Es-tu seul voir la connaître? C'est horrible. C'est ignoble. Tu veux savoir la vérité? Toi, muet. Toi, pas pouvoir répéter de toute façon. Ah, on a notre jauge de vie en haut à gauche qui est apparue, j'ai l'impression. Pourquoi tant de nervosité, Otus? Bien sûr, tu as toutes les raisons de l'être. Ok. En tout cas, la bande-son est vraiment bonne. J'ai hâte de voir le gameplay du titre en tant que tel, parce que là, c'est vrai qu'on est sur de la narration pure au début. C'est tout noir. Enfin, un cauchemar peut-être? Otus. Ou pas?
Otus, dépêche-toi, ça suffit maintenant. Enfin réveillé, j'espère. Bah tu m'étonnes avec comment tu gueules. Soupir. Tu vas peut-être en retard. Heureusement, je suis venu te réveiller et tu aurais fait la grasse matinée. Sors de ton lit tout de suite et retrouve-moi dehors. Mais le mec est ultra violent. Ah ouais, mais en plus je fais tout tomber quoi. Attraper. Boire. Ah, sympa ça. Entrée. On a récupéré un petit jauge, un petit bout sur la jauge en plus. Petit personnage qui court, écran de chargement, ok. Ah mais la musique. On dirait les vieux Final Fantasy quoi. Et les premiers Pokémon. D'accord, donc la ville est tout en hauteur, Otus. Reste concentré, monte là-haut. Ah, attends. Atterrir. Ok. Enfin te voilà. Aujourd'hui nous montrons la garde sur la Vélie. Des pirates sont venus pour les parages dans les parages récemment. Tu connais la musique, si tu vois quelque chose, tu peux signaler ou à moins. Hein, des questions? Non. Alors au travail. Ok. Ouais mais c'est ça, mais vas-y, fais style. Ok. Ok. Ça c'est quoi ça? Attraper. Consommer. Yes. Attraper. Hop, consommer. Ah, moi je mange tout, hein. J'en vais les steaks. Hop, je mange tout. Ah, je suis peut-être au max en fait. Bon, ah, je dois être au max en fait, c'est pas la peine. Tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce que. C'est quoi ce délire? Ça, c'était quoi ça? J'ai vu un truc chelou là. Hein. Examiner. Il est où? Hein, attraper. Ah cool. Ah cool, on a des pièces dedans aussi. Ok. Alors il y a un dash en avant quand t'appuies sur la touche B. Ok. Là, je récupère les pièces, ça va très certainement avoir une utilité importante par la suite. Alors. La question c'est de savoir où est cette. Tiens, bonjour. Eh hey, mon gars, bonjour, parlez. Eh hey, mec, tu es de garde aujourd'hui. Tu veux faire un truc après, Otus et Yili, ce lieu inarrêtable. Peut-être qu'on devrait faire ce voyage à Avent aujourd'hui. Dis-moi quand t'auras fini ta journée, moi je serai ici à réparer ce canon. Ok. J'ai vu un truc chelou tout à l'heure quand même. Attends. Tiens, il y a un marchand là. On va aller voir le marchand. C'est un marchand ça non? Voilà, oula, calme-toi. Bonjour. Salut petit Odus, toi cherche les pirates, moi y en avoir vu. À l'ouest au poste de guet, toi allez voir si tu veux. Ouais, deux secondes. Ok. Non. Quelqu'un a volé mes bongos, toi bien ouvrir l'œil. Ouais. Tiens, il y a un monsieur là-dedans. Bonjour monsieur. Vous les chouettes, vous bossez dur. Les élèves de Strix montent la garde partout depuis Avent ici. Toi si tu es là, je préfère me détendre dans ma source chaude. Oui, bah détends-toi pendant que les autres sont en train de bosser, bravo. Belle façon de penser, mon gars. Bah écoute, on va aller par là. Ah, je peux attaquer avec le bouton Y. Moi, je puisse le soulever? Non. Qu'est-ce qu'il y a par là? Alors, attends. Voyons voir. Oula. Ça va aller, toi, vos mecs? Tu as bien eu Fib. Ouais, Bonacci. Fibonacci. Oh là, sérieux, il faut bien croire qu'il s'est volé après tout. Ah, tu es tellement peureux, tu sais, les chouettes devraient être fortes et intrépides. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée que tu montes la garde? Tout le monde ne te prend pas pour un idiot. Je veux dire, est-ce que t'es une vraie chouette au moins? Bah ben oui, dis donc. Lui poser des questions, ça sert à rien, Fib. Il peut pas répondre de toute façon. Ah oui, il est muet. Muet, cet idiot Lotus. Ah, tous défoncés, tu sais. Lâchez-le, vous deux. Et retournez patrouiller ou je le dirai à Strix. C'est gentil, ça. Je t'aime bien, toi. T'es sympa. Bon, regarde cette petite tête. Ignore les Lotus. Ce sont de vrais gamins. Bah ouais, mais bon, j'aimerais pouvoir jouer aussi. Je t'aiderai à monter la garde, on leur montrera. Viens me ramasser. Tiens, c'est quoi ce petit truc en haut à gauche? Ah d'accord, ça doit être quelqu'un qui est avec nous. Alors. D'accord, meilleur ami d'Otus, c'est mécanicien de la force, c'est le blaster, efficace en combat, mais pas contre les rochers ou de l'acier. D'accord. On peut l'attraper. Ah d'accord, il est avec nous, et du coup il peut tirer, viser. Oh, fort! Énorme!
Ah, c'est génial ça. Attends, du coup, je peux casser tout ça? Allez, y a rien à récupérer dedans. Ah, c'est sympa ça. Attends. Ah bah, désolé, je sais pas ce que je voulais faire à la base. Ouais. Attends, t'es où? Merde, il est où? Oh, je voulais pas te lâcher, mec. T'es où? Ah, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ok, ça sert à rien contre ça. Alors, où est-ce qu'on va? On n'est pas allé en haut à droite, on va aller voir. Genre par là. J'aime beaucoup le principe déjà du gameplay avec la possibilité d'avoir des personnages en plus et... Attends, tu peux descendre là ou pas? Ok. On va rentrer ici pour voir. On va aller voir ce qu'il y a dans chaque petite boutique. L'histoire d'une grosse découverte. Comme tu peux le voir, tu vois cet écran au cœur de la machine. Il affiche la carte et la zone en temps réel. C'est ma plus belle œuvre. Je ne comprends pas. On a déjà des cartes. Les chouettes les actualisent. Ne sois pas bête, Azio. Les îles volent et il reste si peu de chouettes. C'est le futur. Regarde, une toute pleine de technologie à l'œuvre. Là non. Cela me laisse froid. Zut, elle marchait parfaitement avant que tu n'arrives. Quelque chose a dû... Hein? T'en es élevé dans mon labo, Adio. Otus, que fais-tu là? Ne lui saute pas dessus, Adio. Ce n'est pas un souci tant qu'il ne casse rien. Enfin, un autre. Reste pas trop longtemps ici à rien faire, sans patrouiller au cas où les pirates arriveraient. Oui, bah, c'est bon. Calme-toi. C'est bon. Ils sont violents avec moi, c'est incroyable. T'as vu cette violence exacerbée, là, dès le début du jeu? Vas-y, viens, on se casse. Y'a rien d'autre à faire ici? J'ai pas l'impression. Bon bah écoute, viens on se casse. On retourne là-haut. Ensuite, y'a peut-être des choses plus haut. Oh là, on dirait que le village abrite un fainéant. Absolument! C'est toi le fauteur de troupes qui rôde en ville, Lotus. En tout cas, tu as l'air. Absolument! J'ai vu Adzo qui est rentré chez le professeur. Faut que le gars insiste qu'Adzo il te pardonne facilement. Allez maintenant, sois gentil chouette et retourne faire ton devoir. Absolument. Bah c'est ça mon devoir. Je peux pas leur tirer dessus là, mais comment il me parle? Ça aurait été super cool. Apparemment pas. Attends, on n'est pas rentré ici. Alors attends, on n'est pas allé ici, on va aller faire un petit tour quand même. Maison de Mandoline. D'accord, la fille s'appelle Mandoline. Pourquoi pas? D'accord, bon c'est... Oui, c'est assez original comme prénom au moins. Petit écran de chargement, d'accord. Madame, bonjour. Alors, salut Gédiotus. Je n'ai pas vu le fauteur de troupe par ici. Non, mais je suis heureuse de voir que vous cherchez. C'est passé finalement, on fait un duo de choc. Et c'est bien que vous nous amusiez. Faites attention aux pirates gigantesques, d'accord. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai rien pour en trouver des pirates gigantesques. Tiens, il y a quoi ici? C'est quoi ça? Entrée. C'est un dojo, on dirait un petit dojo. Rien à faire à l'intérieur. Ah, par contre, c'est vrai que les petits écrans de chargement qui sont assez. Il y a beaucoup d'écrans de chargement, je trouve. Il y a beaucoup d'écrans de chargement, autant que j'aime bien le même principe, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu. C'est un petit peu beaucoup là. Ah, d'accord, il fallait redescendre par ici. Qu'est-ce qu'il y a, celui ça, tu vas pas trouver la recherche des pirates aujourd'hui? Ouais, tu comptes t'en faire si tu montes quelque soir. Non, mais ça va aller de martyriser tout le monde? Encore ces gosses. Vas-y, tire-leur dessus, tu sais quoi? Ça va, mec? Ouais, merci. Tu es l'un des élèves de Strix, c'est la première fois que je te vois. Ah oui, Phoebe et Nipsy Bonacci sont mes camarades de classe, on est super potes. Tu t'appelles Solus, écoute, tout à l'heure, ils s'en prenaient aussi à Otus. S'ils t'ennuient, n'hésite pas à crier pour nous appeler. Merci, les gars. Mais ils ont raison, je suis un couard. Ne parle pas de toi comme ça, mec. Écoute, pourquoi? Oula. Oula, ça sent les pirates, ça sent les pirates! Yes. Oula, c'est quoi ça? Vite, Solus, salade! On va s'attraper. Ok. Otus, ramène-moi et allons-y. Allez, vas-y, go, 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 go. Il est où? 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 Il doit être par là. Ah, c'est lui. Tire-lui dessus. Attends. Il est où? Là, ici. Ah, je peux passer dans les... Ok, il est plus bas encore. Il est où?
Ah, je touche des pièces quand je passe dans les dans les anneaux. D'accord. Ah, c'est bon à savoir ça. Est-ce qu'il serait pas dans la caverne? Vas-y, je suis sûr qu'il est dans la caverne. Viens là. Je suis sûr qu'il est dans la caverne. Je suis sûr qu'il est là-dedans. Regarde, c'est le fauteur de trouble. Ah, il entasse tout ce qu'il veut. T'as une sale tronche, Maya. Ok, vas-y. Il est où? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok, il y a des ennemis là-haut. On passe là-dedans. Oh, on touche des pièces vraiment quand on passe dans chaque truc, quoi. C'est cool. Bon, ça m'arrange. Ça va nous faire de... Tiens, il est juste derrière ici. Ok. Ok, la porte s'ouvre. Vas-y, viens. L'ambiance est top. Attends. Ça, c'est de la vie, ça. Ça, c'est de la vie. Si tu le chopes. Oula, 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 oula. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Vas-y, tire-leur dessus, tire-leur dessus. Ok, c'est bon, on en a eu deux. On poursuit. Je peux pas détruire ça? Je peux pas détruire ce truc-là. Attends. Ah, attends, 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 regarde. Si je prends ça et que je le lance. Ok, c'est ça. Il revient. Attends, viens, on va juste voir ce qu'il y a par là-bas. S'il y a pas. Tiens, il y a un coffre. Attends, hop. Vas-y, là. Oh, 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 sympa. Ça, c'est cool. Attends, reste là, s'il te plaît. Je reviens. Tu bouges pas, hein. Je reviens. Attends, reste là. Merci à toi. Attrapé. Lancé. Boum. Ok. Allez, reviens avec moi. On y retourne. Oula, 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 oula. Ah, il faut que j'aille récupérer. Ah non, il y en a une là, c'est bon. Vas-y. Vas-y, pose-toi ici. Hop. Clac. Il est où ce fauteur de trouble? Hein? Oula, 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 ça va nous tomber sur la tronche. Non! J'ai pas fait écraser quand même. Otus? Otus, reviens à toi. Merde. Dis-moi que tu n'as rien, Otus. Non, j'ai rien, je suis derrière, mais j'ai rien. Je savais pas que la squad était autre chose. Accroche-toi, mon gars, ok. Tourbillonner. Ah, d'accord, je me mets dessus et je tourbillonne pour visser. C'est cool! Ok, grâce à ça, je peux casser des trucs. Ah, je peux infliger des dégâts à l'ennemi aussi. Est-ce que je peux lui sauter dessus ou pas? Ah, punaise! Ah, je peux rien lui faire, je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer quand je suis tout seul, hein, j'ai l'impression. Je peux pas le tuer, mais je peux l'assommer. Ah, tiens, il y a un peu de vie, là. Consommer. Ok. Putain, ils m'ont fait perdre plein de life, hein. C'est ouf. Ok, vas-y, passe là-dedans. Vas-y, c'est bon. Parfait, on casse ça. On monte là-dessus, on ouvre la petite porte. Et on y retourne. J'aime bien ce gameplay qui est vraiment... qui est vraiment vertical. Oula, attends, j'ai pas confiance dans cette espèce de truc là. Oh purée! Allez, dégage. Ah punaise! Oh, j'ai perdu plein de life! Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Oh purée! Ah, peut-être aligner les trois symboles. Ok, c'est ça. Ensuite. Ah, d'accord, c'est toi. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un ennemi. Mec, par contre, je t'ai retrouvé, je suis vivant, et toi aussi. Oui, alors le problème, c'est que j'ai perdu pas mal de vie, mais calme-toi, c'est pas le moment de faire la fête, on ferait mieux de sortir d'ici avant que ça s'effondre à nouveau. Ouais, vas-y, viens. Ah, bah, ça m'arrange de te retrouver, parce que je t'avoue que sans toi, je me sentais un petit peu en galère, mec. Hein. Une vraie tanasse sans toi. Allez, détruire ça.
Par contre, on a récupéré plein de pièces. Ah, tiens, il y a un peu de vie là. Attends, vas-y, attends. Je récupère un peu de vie, mec. Attends. Tu peux attraper ça, s'il te plaît? Ok. Je vais le consommer. Ok. Consomme-le aussi et on se casse. Il y a des gens là-haut. C'est quoi ça? Oh, il y a un coffre! Oh, ça m'intéresse bien ça! Attends. Ah bah, le coffre il m'intéresse de ouf, mec! Attends. Voilà. Oh là là, tout l'argent qu'on est en train de se récupérer. Je sais pas du tout combien on peut accumuler dans le jeu, mais. Moi, ça m'intéresse bien. Fauteur de trouver juste là. L'ambiance, je trouve qu'il y a vraiment juste ce qu'il faut et. Ah, zut! Ah, j'ai pas le choix. Mec, je suis obligé de te laisser. J'aime pas ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix du tout. Tiens, dégage. Vas-y, consomme ça aussi. Ah oui, ça c'est le poids. On va récupérer le poids. Attends, attends. On récupère le poids pour aller chercher le pote. Attends, je peux peut-être... Est-ce que je peux faire ça ou pas? Yes! Oh yes, vas-y, on récupère le poids. On va le mettre là-bas. Et comme ça, je récupère mon pote, le poteau. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah là, viens avec moi. Parfait! Parfait, 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 parfait. Ah, tu peux pas casser ça tout seul, c'est moi qui... C'est à moi de le faire. Désolé, c'est pas ça que je voulais. Je suis désolé. Je voulais pas t'attaquer, mec. Avec le blaster, c'est vachement pratique. Et donc, du coup, il y a plein d'autres unités, il y a plein d'autres amis à déverrouiller après. Ça a l'air cool. Attends, deux secondes. Tu sais quoi? Attends. Tu sais quoi? Vas-y, on les enlève de sous terre. Et je les mange après. Ok. Ok. Ok, parfait. On est full. Attends, il a la sorcière là. Ça, tu peux pas le faire tout seul, je suis obligé. Merci. Hop, go. Encore une. Ah, tiens, le petit bouton à enclencher. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Dis-moi, t'as trouvé quoi là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça sent le boss, ça. Ah, punaise! Ouais, ça sent le boss. J'avais que je le confirme. Attends, est-ce qu'il faut que je l'attaque derrière ou pas? Ok. Bon, on fait du dégât pour l'instant. Est-ce que je peux lui faire des dégâts moi aussi comme ça? Ah, il fallait faire ça avant! D'accord, ouais, bah si je fais pas ça, ça sert à rien. Ok. Et ouais. D'accord. Ah, je lui tirais dessus pour rien en fait. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite. Ensuite il faut faire quoi? Oula. Ensuite ça va être la même chose mais... Ça va être la même chose mais il faut que je laisse le pote. Ok, c'est bon, on rattrape. Ok, je refais la même chose. Ok, ça c'était la deuxième pattern. Il y en a combien? Il y en a deux ou trois? Il y a deux. Il y avait deux. Il y avait deux patterns. Ok. Ok, ça c'est fait. Une étanche. Je peux ramasser le truc qui est par terre ou pas? Attends, je peux l'attraper. J'ai l'impression. Mais j'en fais quoi? Je laisse tomber. Il y a peut-être un moyen de l'avoir et de s'en occuper par la suite, ça, non? Est-ce qu'avec ça, je peux faire quelque chose ou pas? Peut-être m'en servir pour détruire? Ouais, c'est ça. Là, je pouvais m'en servir pour
pour ouvrir le passage. Comme quoi, j'ai bien fait. On a 311 pièces. Waouh, c'est quoi ça? Ça ressemble à une vieille relique chouette, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je crois qu'on ferait bien d'apporter un fragment au professeur. Ah, je te tiens! Tiens, qui es-tu toi? Mais il fait tout noir? Oula! Si tu connais une araignée? Otus! Cet homme araignée nous a eu. Il faut se dépêtrer de ses toiles. C'est avec un petit coup de joystick, excellent. Bien sûr. Allez! Ok, c'est fait. Bon. Tu nous as sauvés. C'est bien, mon meilleur pote, c'est ça. Allez, vas-y. Ok, avant de sortir, je vais prendre un petit fragment de cette relique. C'est pas une bonne idée du tout. C'est pas une bonne idée du tout, mec. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un cadenas ou une boussole ou un... Étrange, ça tapait vers les chouettes, ça devrait avoir des siècles d'existence, mais ça a l'air tellement intact, je me demande ce qui se passerait si on appuyait sur le bouton. Bah... Vous avez envie d'appuyer sur le bouton quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Donc ça c'est bon. Un appareil étrange disposant d'un bouton. Ça demande pour les chouettes ancestrales. Vas-y, appuie sur le bouton. Moi je vais juste... M'éloigner un petit peu. Mettre là, tu m'étonnes. Appuyer sur le bouton. Ah, c'est un téléporteur! Ah, c'est fort! Attends, est-ce que même si on devrait sortir ici, tant que ça va, t'es encore debout. Attraper. Je suis obligé de refaire tout le tour? Non. Ah, ok. Ah, j'ai eu peur. Ok, vas-y. Ah, attends, je suis obligé de te laisser là. Attends. Ah mais non, t'es... Ah mais t'es revenu avec moi, d'accord. Vas-y, tu te mets là, je me mets de l'autre côté. Hop, en avant. Bon, retournons. Vite, viens voir ce qui se passe. Vas-y, go, dépêche-toi, viens. Tu prends facilement la main à attraper le mec pour l'utiliser. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il fait tout noir tout d'un coup? Ça fait combien de temps qu'on poursuit cet imbécile? Ça devrait toujours être le matin. Qu'est-ce qui se passe? Wow, je le sens mal là. Ah bah les voilà, les pirates. Il y a du monde là quand même. On est sur une flotte complète. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai pas encore eu le temps de réparer le canon et sans défense. Amène-moi là-haut, tu restes ensemble bon, pour encore un moindre risque. Si on atteint le labo, on pourra avertir Radio le professeur, ils sauront quoi faire. Vas-y, go. Attends, je vais peut-être manger ça un peu parce que... Si c'est bon, on était full en life. Par contre, faut faire absolument gaffe au rayon. Attends, oula, on m'a vu. C'est bon, on est sorti. Attends. Vas-y, dégage-moi ça. T'as le rayon qui est là, ne passe pas dedans. Ah, il nous a vu un peu. Ok, c'est bon, on a réussi à l'éviter. Wow. Vite, il me tire dessus. Ok. Ça passe. C'est bon, on a réussi à passer. Ah, faut redescendre après? Non? Oh, c'est abusé. Ah, c'est abusé. Je fais comment? C'est où? Non. Je sais plus où c'est. Attends. C'est pas par là du tout. Oh, punaise. Il est où? Non, je sais pas où il est. Ok, il est là. C'est bon. Ok, c'était là-haut. Ok, le canon est là.
peux. Non, tu veux pas réparer le canon? C'est bon ou pas? Il y a encore du trajet? Ça doit être par là, je crois. C'était là, hein. Ouais, c'était ici. Obtus, où étais-tu passé? Rentre tout de suite. Bah, j'arrive, calme-toi. Deux secondes. Attends. Vas-y, rentre. Je pense qu'on va même s'arrêter dans pas longtemps là. Obtus, tu es censé monter à la garde, où étais-tu? Tu vas savoir que Adzio nous a pas le temps pour ces chicaneries. Il reste pas que nous puissions apercevoir les pirates. Je vais faire de mon mieux, professeur. Le petit coup de pied qui irait partout. Très, le petit coup de pied qui irait partout comme, comme dans les trucs de l'époque, quoi. Alors. Ils sont en train de tout détruire, quoi. Chasseur de secours, je me demande si le village se défend. Peu importe. Nous avons déjà trouvé ce que nous cherchions. Dois-je comprendre que la relique est dans notre possession? Ouais, c'était là où cette petite chouette nous a amené, aucun problème. Excellent. Il est donc temps de prendre congé. Non, on n'a pas fini, c'est l'heure du pillage. Ne soyez pas ridicule, nous n'avons plus rien à faire ici. Les ordres du capitaine Molstrom étaient de poursuivre notre route et d'attaquer Avent. Avent? On va enfin attaquer la capitale? Absolument. Les capitaines semblent estimer que nos forces sont suffisantes. Et si nous obtenons également la relique cachée à Avent, nous serons encore plus forts. Mouah! Ouais, je fais de la voix en même temps. Bien sûr, voyageurs risqués, nous devons voler près du temple chouette. Assez chouiné, en route! Soupir. Très bien, allons-y, bon, il fait. Tu peux pas dire soupir, c'est des didascalies en fait. Voilà, enfin. Super cool en fait ce jeu, j'ai mis du temps à l'avoir avant de pouvoir le lancer, mais. Ouais, ils sont en train de se barrer surtout. Ils se barrent et les pirates s'en vont. C'est juste ça, ça ne fait aucun doute. Pourquoi partent-ils? Oh non, c'est de mauvais augure. Adjo, on va combien me conseil municipal, il n'y a pas de temps à perdre. D'accord, au-dessus, Teddy, suivez-moi. Est-ce que les pirates l'ont assez remarqué? Que les îles sont. Que les îles, c'est quoi? Non, c'est pas probable. Ah, il y a une petite part de mystère! Eh bien, je suppose qu'il va falloir aller chercher cette relique. En tout cas, je pense qu'on a eu pas mal de gameplay pour cet épisode découverte. Non, on va continuer un petit peu. Tu sais qu'on va continuer un petit peu. Ceux qui veulent rester avec moi, vous restez. Tout le monde silence, tout le monde va bien. Ça va. Les élèves de Strix sont partis pister les pirates. Je ne crois pas que les pirates sont venus pour nous. Alors, que faire? Écoutez-moi tous, nous n'avons pas le temps d'en discuter. Mes relevés indiquent que les pirates se dirigent vers la capitale. Ils vont attaquer Avent. Oui, il faut partir vers la ville et vite. Les vaisseaux pirates sont là, mais ils ont de l'avance sur nous. Plus le choix, professeur, nous allons utiliser la simple chouette comme mécanique de défense. Ah oui. Le temple chouette sépare les îles, hein, désactivant les générateurs éoliens. Les îles se rapprocheront et écraseront les pirates. Enfin, j'espère. Sympa. Ainsi, les chouettes ancestrales peuvent peut-être nous aider à protéger Avent. Otus, tu ne te rendras... D'accord. D'accord, donc en fait, moi je suis un incapable, mais par contre, tu m'envoies faire des choses. Ah d'accord, il n'y a que moi qui s'est volé. C'est vrai, je ne vois rien avec Liazio. Bien. Attention, Otus. Si tu me déçois encore, les conséquences seront graves. Tu as mis notre frère dans un abandonner ton poste aujourd'hui. Bah, j'aurais rien pu faire. Il y avait des vaisseaux pirates. Tu voulais que je fasse quoi? Attends, que chouette. Otus, tu es dit professeur. Préparez-vous à partir. Je pouvais que faire que dalle, moi. Il est ouf, ce gars. Genre, moi, je pouvais défendre. Rends-toi au temple chouette aussi vite que tu peux. Ne me déçois pas, Otus. Garde, ouvrez les portes. Putain, la vitesse de déplacement. Regardez-moi, là, les deux zouaves là-haut. Ok, mettons-nous en route, vas-y, on se casse. Il veut encore me dire un truc, je le sens. Non, il sait rien à me dire de toute façon. Thèse, et puis c'est tout. Non mais attends, eh oh, hein. Parce que déjà tout à l'heure, ils nous ont parlé comme si on était un rienche. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a trois reliques en fait. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on va? D'accord, est assez apocalyptique en dehors du village. Hein. Ouh, ça devient beaucoup plus joli. Ok, Otis, on est à Tropos. Maintenant, si je me souviens bien, je crois que le temple chaud doit être dans les parages. Enquêtons, avec un peu de chance, on trouvera l'entrée. Attends, c'est quoi ça? Casse-toi, toi. Ah non, mais eux, je sais qu'ils m'attaquent. Et en fait, regarde. T'as le monde a l'air ultra large, en fait. Y'a pas mal de choses, hein. Ah, y'a un truc ici. Oula. Ok. Tiens, ça doit être ça.
doit être l'entrée d'un temple, ça, ou un truc spécial. On reviendra après. La musique a clairement changé. Ou l'entrée d'une grotte qui se débloquera plus tard, peut-être. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ça se soulève, ça? Pourquoi t'es tout triste? Pourquoi t'es tout triste? C'est une tombe? C'était une tombe. Tombe de ses parents, peut-être? Il me paraissait tout triste. Ok, tu peux tirer à travers, ça m'arrange. Ah, punaise! Attends, reviens. Vas-y, dégage-les. Dégage-leur leur tronche à eux. On peut aller par là? Non, pas aller par là. J'ai vu une maison un peu plus haut. On peut aller par là, mais j'ai vu une maison. Attends. J'ai vu une maison un peu plus haut. Elle était où? Elle était là, regarde. Il y avait une maison là. Examiner. Tiens, c'est un message ça? Grotte de Véli 240. Ah, c'est les pièces à récupérer. D'accord, j'ai pas tout récupéré. Véli 86-300 et Tropo 42. D'accord. D'accord, c'est un topo des pièces qu'on peut récupérer. Bienvenue, nouveau client. Je m'appelle Bukanari. Et un légendaire magasin pour les aventuriers. J'ai déjà un défi pour toi. J'ai caché toutes mes pièces de Bukanari. Si tu en trouves, ramène-les-moi. Plus tu en trouveras, plus tu auras de choix dans ma collection d'objets. Ok, d'accord. Approche-toi du comptoir quand tu seras prêt. Vas-y, dis-moi ce que t'as à vendre. Oh, je prends chaque anneau. Coupon trouvé, je te donnerai 3 de mes pièces, ok? Parfait pour un départ canon. À présent, voyons combien de butins tu as accumulé. Tu as accumulé 374 pièces, pas mal, à vrai dire. Je te réserve ton tout premier objet. Bonjour? C'est un objet, ça? Salut? Alors? Hein? Où est l'objet? Quel... Ah mais non! Non mais il est ouf! Tada! Qu'est-ce que c'est? C'est une gourde? Prenez-le, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Prends-en une gorgée. C'est quoi? Ah, ça augmente ma vie! Cool! Ça va te secouer les plumes. Bon. Bogouin, retourne à ta cabane. Chef, oui, chef! Ok. Récupère 500 pièces pour recevoir une autre surprise. Alors ça, c'est gratuit. Rempli de soupe, augmente ta santé maximale. Ok. Chapeau naze, n'a aucune utilité. D'accord. Module de mousquet amovible pour une puissance de feu. Module de blaster amovible. À 500 pièces, on aura un chapeau. Et après 750, on aura une super gourde. Ok, bah vas-y, on n'a plus rien. De toute façon, il faudra qu'on retrouve d'autres pièces. Hein. Ok, d'accord, donc les pièces servent à ça. Très bien, c'est noté, monsieur Bukanari. Je ne sais pas. Bukarani, Bukanari. Je ne sais pas du tout. Donc, oula. En vrai, il y a de la brume maintenant. Du coup. Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, attends, dépose-le là. Ah, mais c'est un coffre! On est à combien? On est à 404. On a 404 pièces. Tiens, il y en a là encore. On ira chercher le petit machin après. Oula, 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 oula! Ah, je peux pas voler quand il y a les. Quand il y a de l'eau. Ok, je peux pas voler tant qu'il y a de l'eau là. Il me faudra. Ah! C'est peut-être là où le chapeau sera utile. Genre le chapeau, peut-être que ça pourrait me protéger de l'eau. Un truc comme ça. Peut-être. C'est peut-être ça, hein. On peut monter encore. Tiens, c'est quoi ça? En haut, continent le continent, bave et le pays. Vas-y, c'est bon. Ah, je peux pas passer pour l'instant. Ah tiens. Oh, ça ressemble au temple chouette, ça. Ok, on a 446. On a 446 pièces. Et il en faut 500 pour le fameux chapeau. Et si je mange encore des trucs, ça passe ou pas? Attends, casse-toi. Oui, je parle très bien, mon ami. Ouais, ça fait augmenter la santé maximale, mais... En fait, en violet, c'est pas la santé maximale, c'est juste une espèce de... Comme un petit bouclier en plus, si vous voulez, qui vous protège un petit morceau de la vie. Alors ça dégage. Ça peut rien faire. Ouais, ok. Ah, il y a un coffre en bas. Attends, il y a un coffre. Là, c'est bon, on va atteindre les 500 pièces d'or, normalement.
491, mais c'est de l'abus, monsieur. 491. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, attends. Ouais, mais avant d'aller le chercher, je vais juste regarder. Non, tu sais quoi, on va filer dessus. Et la luminosité a carrément baissé là. Ah, mais c'est pas le. C'est celui de tout à l'heure, ça. C'est le. Je sais plus comment il s'appelle. Boguin, un truc comme ça. Ne me fais pas de mal. Bah non, Boguin. Pourquoi je te ferais du mal? Pourquoi te ferais du mal? Vous venez pas me faire de mal? Bah non. Comme c'est gentil à vous. Je suis l'un des Punching Ball de Bukanari. Bah oui, j'ai vu. Un de ses assistants, c'est vrai. Elle nous fait jamais de mal et elle m'a envoyé chercher mes frères. Ok. À quoi il ressemble? Moi. Ok. Si vous voudriez, merci de leur demander de retourner à la boutique de Bukanari. À moins qu'il ne veuille être pun. Sinon, Bukanari se fera un sang d'encre. D'accord? Ouais. C'est noté. Pour vous aider à votre péril, je vais vous apprendre un truc pratique. C'est quoi? Roulade. Bah, j'ai déjà fait ça. Ah, pour faire des roulades en volant. Ah, c'est de la nourriture. Ok. Ok, bah, au revoir. Eh bien, c'était sacrément bizarre. J'imagine qu'on pourrait trouver ses frères, cela dit, pauvre type. Ah oui, on peut faire des petites dashes en avant. Ok. Ah bah c'est pratique. Oh. Oh là que c'est pratique. Oh j'avoue. Oula, 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 oula. Ah j'avoue que c'est ultra pratique. Ah oui, non mais c'est beaucoup mieux. Ok, on a 500 pièces d'or, c'est bon, on y est. Attends, par contre, le mieux, ça serait de manger quelques petits trucs hein, avant. Je crois que je les ai mis là. Ok, deux. Par contre, il y a un coffre là. Ah, il suffisait juste d'y aller comme ça, d'accord, c'était caché. Ok, bah vas-y. Évidemment que je veux les pièces d'or, hein. T'as fumé ou quoi? On pourrait acheter un... Je crois que c'est des 500 et 750 après pour acheter le chapeau. On ira l'acheter plus tard. Il y a encore un truc là. Hop, on est à 546. Oula. Le temple chouette, le premier des grands temples. Les chouettes y ont appris à contrôler les éléments et à défier l'ordre naturel des choses. À la fin du premier éon, elles avaient maîtrisé l'eau, le feu et le vent. Et leur avaient appris à révéler l'existence de mystères plus importants. Telle l'histoire narrée par le livre de Naktai. D'accord. J'imagine qu'on ne fera pas tout seul, sont prudents. Ouais. Il était très bizarre ce mec quand même. Enfin. Moi je dis ça, je dis rien, mais un petit peu. C'est quoi, c'est le premier donjon, c'est ça? Dans le nuage? J'ai l'impression qu'il y a un premier donjon dans le nuage ou un truc comme ça. Ce qui est plutôt cool au final. C'est ça, hein? On est dans le premier donjon du jeu. Oh, la musique est trop classe. Ouais, ça, temple chouette, Old Temple. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette découverte vidéo. Oula, elle me poursuit. C'est quoi ce délire? Hop, 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 hop. Ah, je peux pas les défoncer. C'est quoi ce délire? Je peux rien leur faire. Oh purée. Ok. Attends. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette découverte de Old Boy sur Nintendo Switch. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas du tout combien de temps aura duré la vidéo. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé en ma compagnie. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez laisser un gros pouce bleu sous la vidéo parce que c'est quand même grave utile. Vous avez également l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas, ça dépend quand on joue de toi. D'ailleurs ton écran, salut salut. Hey, hey, Famino.